Bienvenue dans ce troisième volet d'une série de tutoriels vidéo consacrés à Flipgrid. Dans cette vidéo, je vais montrer comment créer un premier sujet de discussion pour permettre aux élèves de s'exprimer sur ce sujet. Dans l'interface d'administration de notre grille, un clic sur le bouton New Topic permet d'éditer le sujet. On retrouve quelque chose de similaire au formulaire de création de la grille avec cette fois-ci 5 sections. Dans la première section, Topic Details, on insère un titre qui résume le sujet traité. Ici, je vais mettre les transformations géométriques, car c'est le thème que je souhaite aborder. On choisit ensuite la durée maximale des vidéos de réponse qui seront postées par les élèves. Dans la version gratuite, Flipgrid 1, on a le choix entre 15 secondes et 1 minute 30. Les autres options sont grisées et réservées à la version payante, Flipgrid Classroom. Puis dans la section Topic Description, on va pouvoir donner des instructions aux élèves afin de les guider sur la tâche à effectuer. Attention à être concis ici car la saisie est limitée à 350 caractères maximum. On peut ensuite ajouter un lien vers une ressource par exemple, mais je ne le ferai pas ici car il y a une section dédiée pour les ressources que je souhaite incorporer. Dans la version payante, on peut choisir la date de publication du sujet et sa durée de publication. Mais dans toutes les versions, de toute façon, on peut définir si le sujet est visible ou pas de façon manuelle. Donc on peut l'activer ou désactiver sa visibilité à tout moment. Dans la deuxième section, Topic Resources, vous pouvez enregistrer une vidéo à l'aide de votre webcam, télécharger une vidéo existante depuis votre ordinateur, ajouter une vidéo YouTube, un GIF animé ou une émoticône. Ici, je vais choisir une vidéo YouTube dont j'ai récupéré le lien de partage. Je clique ensuite sur le bouton « Ajouter » et ma ressource vidéo apparaît dans la page de paramètres du sujet de discussion. La section 3 concerne la version payante, Flipgrid Classroom. Je ne peux donc pas l'utiliser ici, mais il serait possible d'y mettre des liens vers des ressources partagées de vos applications nuagiques, comme Google Drive, OneNote, Dropbox. La section 4 concerne les fonctionnalités additionnelles pour les réponses vidéo des élèves. Selfie Decoration. Je vais leur permettre de mettre des stickers et de dessiner sur leurs selfies, car c'est un bon moyen d'obtenir leur engagement dans le travail demandé. Et en plus, ils ont l'habitude de le faire sur Snapchat, par exemple. Response Reactions. Là encore, je vais leur permettre de liker la vidéo d'un camarade. Response Link. Là, je vais les laisser à Known pour éviter que les élèves ne puissent mettre des liens menant à des contenus inappropriés. Je pourrais aussi le laisser en privé. Je serai alors le seul à pouvoir voir et contrôler, mais ce n'est pas indispensable. Response Title permet aux élèves d'ajouter un titre à leur vidéo, mais je n'en vois pas d'intérêt ici puisque ça risque de manquer de pertinence. Response Moderation. Évidemment, j'active la modération des réponses car je veux contrôler les contributions des élèves avant d'autoriser leur visibilité. Comme toute nouvelle réponse vidéo me sera notifiée par mail, puisque j'ai paramétré ma grille ainsi dans la vidéo précédente, je n'aurai donc plus qu'à visionner la vidéo et si son contenu est correct, je la publierai. Dans le cas contraire, elle sera supprimée. Replies to Response, c'est une option uniquement disponible avec la version payante, mais elle permet de véritables interactions entre élèves. Ici, par contre, on va se contenter pour le moment de la version de base. Require emails for responses. C'est une option qui demande aux élèves de préciser leur adresse mail au moment où ils envoient leur contribution vidéo. Ceci peut être intéressant pour que l'élève soit averti de l'appréciation ou du feedback du professeur après le visionnage de sa vidéo. Je l'active ici car je compte l'utiliser. Mais je conseillerais aux élèves de mettre leur adresse email de l'ENT plutôt que leur adresse mail perso. Display Views. Je laisse cette fonctionnalité activée car cela permet de voir combien de fois les vidéos ont été regardées. La section 5 permet de paramétrer le feedback ou rétroaction que vous pouvez fournir sur le travail des élèves de manière individuelle. Avec la version gratuite, on pourra évaluer seulement la performance globale et les idées développées dans la vidéo postée. C'est un élément très important pour encourager les élèves à participer activement dans leur apprentissage et à améliorer leur production.
À la fin, on soumet le formulaire et le sujet est prêt pour les élèves. Il ne reste qu'à partager soit le lien de la grille, soit seulement le lien du sujet. Pour cela, copiez l'adresse du lien et communiquez-le aux élèves par le moyen de votre choix, par exemple par messagerie ou dans le cahier texte numérique de la classe. On retrouve alors l'interface d'administration avec la page sur le sujet que l'on vient de créer. Vous voyez en haut à droite un bouton qui vous permet d'activer ou de désactiver le sujet de discussion, ce qui peut être utile pour autoriser ou interdire son accès quand on le souhaite. Pour partager le sujet avec vos élèves et leur permettre d'y répondre avec leur vidéo, vous disposez de quatre moyens. Le partage URL avec deux options. Soit un code du sujet à indiquer à vos élèves s'ils utilisent l'application Flipgrid Mobile, que nous verrons dans une prochaine vidéo, soit l'URL complète s'ils utilisent un navigateur. L'intégration dans une page web, par exemple dans une plateforme d'apprentissage en ligne comme Moodle, où vous pouvez générer un QR code que vous pourrez imprimer et que vos élèves pourront flasher avec leurs équipements mobiles pour accéder au sujet. Vous pouvez enfin l'intégrer directement dans Google Classroom si votre établissement a souscrit à un compte G Suite for Education ou dans un autre réseau social comme Facebook ou Twitter. Ici, je vais choisir de copier le lien du sujet pour le coller dans le cahier de texte numérique de la classe. Enfin, en cas de besoin, on peut modifier à tout moment n'importe quel paramètre du sujet dans le formulaire d'édition. Ce sujet ne contient aucune vidéo réponse des élèves pour l'instant, mais dans un prochain tutoriel, je vais vous montrer comment ces derniers peuvent participer au sujet de discussion en postant leurs vidéos.